Ouais, je réponds au nom de Osei Lukengu, j'ai 23 ans et je viens du Congo. La vie, c'est pas facile, quoi dire. On a plusieurs étapes à franchir, il y a des difficultés à franchir. Puis là, j'ai dormi, mais je suis passé encore par des transitions. Fait que je quitte la transition pour passer en FGA. C'est vraiment difficile à certains moments. La vie, genre à l'école ou à l'extérieur, on peut avoir des problèmes. Une chose, c'est qu'il faut persévérer et puis travailler fort. C'est au fur et à mesure qu'on surmonte ces étapes-là et puis on devient le meilleur de nous-mêmes, quoi. Je suis très fier d'être dans cette province, quoi. Je me sens aussi québécois comme tous les autres. Plus tard, je vais aller dans le domaine sportif et que c'est parce qu'ils m'ont compté sur moi, ils trouvent que j'ai un bon leadership, je suis quelqu'un de rassembleur, fait que ils m'ont donné cette chance-là. Bon, merci les gars, et puis ça m'a aidé à devenir les gars que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai pu améliorer ma confiance, mon niveau de leadership, j'ai vraiment travaillé, rassemblé du monde, fait que c'est vraiment ça, quoi. Je suis vraiment touché par ça parce que c'est pas juste une année que j'étais capitaine, c'est 2 ans de suite, fait que c'est vraiment touchant de voir que les gars ont pu faire confiance en moi et puis me donner cette chance-là. Non, mais c'est sûr que persévérance scolaire, c'est pas toujours difficile parce qu'on a différentes difficultés à franchir. Et puis, c'est quand je vois les gars qui sont là, je vois l'entraîneur qui me soutient à chaque fois, Marielle. Effectivement, quelque chose de vraiment important pour moi. Je pense que grâce à eux que je suis cette personne et puis j'ai jamais abandonné. Fait que je continue malgré les difficultés, je persévère parce que on n'a pas le choix. Je trouve que c'est vraiment un projet vraiment magnifique parce que ça nous donne la chance vraiment de nous connaître, genre, de connaître le monde autour de toi. C'est de développer certaines habiletés, c'est d'avoir confiance en toi. Et puis ça donne vraiment. Ça t'apporte quelque chose que tu ne peux pas avoir ailleurs. Moi je trouve que c'est ma famille, quoi. Il n'y a rien de mieux que je peux demander quand ils sont là pour toi, qui t'aident à chaque moment, qui croient en toi. Et donne tout le matériel nécessaire pour que tu deviennes la personne que je suis aujourd'hui. C'est vraiment important pour moi. Comme on dit toujours, dans un match, il y a toujours un perdant ou un gagnant. C'est dans le final, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que cette année, on était perdant, mais bon, c'est pas grave. Je suis fier de mon équipe, puis je suis fier d'être capitaine de Genève. C'est vraiment important, puis c'est ça que j'ai à dire, quoi. Ça fait mal, mais bon. Je crois que je prends ça à la deuxième place, mais bon, en continuant, on lâche pas.